Bonjour, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, j'apprécie énormément. Vous n'hésitez pas à y aller. Il y a aujourd'hui, on va avoir un thème, à savoir rapidement, et bien, peut-être on aura les guidances importantes pour vous. Pensez un petit peu à votre avis, posez vos questions, peut-être on va avoir des réponses maintenant. Et bien, je vais voir trois cartes principales, trois guidances importantes pour vous, à savoir rapidement, et on va compléter avec les cartes. Et bien, la première guidance, et alors, diable, la tentation totale, et bien, vous savez, il y a la signification positive et négative de cette carte. On va voir les détails pour comprendre tout de suite il s'agit de quoi et bien sûr de relations amoureuses et bien je vois quand même que il y a un homme qui peut apparaître dans la vie de madame qui va lui donner cette tentation. Vous savez, c'est aussi un accent sur les relations sexuelles qui peuvent peut-être être importants dans cette relation. Donc voilà, et vous devez savoir que monsieur il est très romantique, il peut être vraiment dans les nuages quand il rêve beaucoup par rapport à son futur. Il peut vous entourer de ses sentiments, de son attention. Donc voilà, et bien. Et alors, je vois quand même l'énergie de madame ici, mais vous, vous êtes absolument différente. Je vois quelqu'un qui aime avoir le confort, la stabilité dans sa vie. Vous savez, donc là, ici, j'ai un indice que peut-être cet homme, il peut être plus jeune que vous. C'est tout à fait possible, il va vous donner ses tentations dans votre vie. Peut-être tout de suite, il aura des relations sexuelles. Donc, entre vous, préparez-vous. Mais je vois l'accent sur madame. Vous pouvez déjà avoir la réussite dans votre vie, avoir cette stabilité, confort. Et ça, c'est très, très important pour vous. Et qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et justement, je vois comme la carte de perfectionnisme, quand vraiment vous pouvez être un grand spécialiste et quand c'est important pour vous. Donc voilà, et quand vous faites aussi attention à tous les détails, pour vous c'est important, ça peut aussi indiquer votre avis en général. Donc voilà, et vous savez, alors il y a plein d'idées par rapport à votre futur. Donc là, ici, je vois un indice que peut-être même il aura plein de projets et ça peut vous donner aussi un petit peu cette tentation de réaliser vos souhaits. Penser, des idées, ça peut paraître même un petit peu fou, donc c'est tout à fait possible, mais je pense que vous allez suivre cela, parce que c'est un petit peu la carte de risque. Moi, je pense que vous allez trouver la solution, donc vous devez le savoir, et bien, peut-être vraiment c'est un indice pour vous, suivez votre attention, prenez le risque pour réaliser vos idées, et ça peut être vraiment un résultat pour vous, et justement, voyez, j'ai un indice, suivez votre intuition. Donc la carte me montre cela, que peut-être même vous pouvez avoir des pressentiments, des indices par rapport à certaines rencontres que vous faites, par rapport à vos projets. Donc voilà, la vie va vous guider. Et vous savez, j'ai aussi la carte de concurrence. Eh bien, si ça concerne la vie professionnelle, peut-être il y aura des opportunités qui vont se présenter. Quand vous pouvez vous montrer quelqu'un professionnel, parce que j'ai vu ici un accent sur madame, et pour vous, c'est important de vous réaliser dans le travail, vous êtes quelqu'un professionnel. Mais vous savez, cette carte, ça peut aussi montrer un petit peu les relations amoureuses, quand vous avez des concurrences, peut-être un admirateur caché. Donc là, j'ai toujours cet indice sur monsieur et qui peut se montrer quelqu'un qui a des sentiments par rapport à vous. Vous savez, c'est un homme qui sait aimer, parce que nous avons commencé avec cette carte qui peut montrer votre rencontre, mais je pense qu'après, il va essayer de vous séduire par son attention, par ses compliments, donc l'amour qu'il peut vous donner. Donc voilà, il aura une grande attention pour vous dans le futur. Et alors, la carte de destin, la roue de la fortune, vous savez, c'est une autre guidance importante que peut-être vraiment pour vous, c'est la chance de peut-être changer votre vie. Peut-être cet homme, c'est votre destin, c'est possible. Mais vous savez, c'est un petit peu la carte cyclique qui peut montrer qu'il faut en profiter. Si vous ratez cette chance au bon moment quand elle arrive, vous peut-être vous risquez d'apporter des bons changement dans votre vie, mais voilà, mais prenez cela comme une certaine guidance, et vous savez aussi, ça peut montrer que peut-être dans votre vie, il y a plusieurs hommes, c'est tout à fait possible, et c'est pour ça, il y a cet homme qui arrive, qui est romantique, qui rêve beaucoup, il peut vous donner cette tentation, donc dans votre vie, eh bien, très très intéressant, donc on va regarder deuxième indice, deuxième guidance, et alors j'adore, parce que c'est une très belle carte de mariage, eh bien, peut-être pour certaines personnes, donc, qu'est-ce que vous devez savoir donc rapidement que peut-être cet événement vous attend dans le futur. Vous savez, c'est une très belle carte. Donc pour certaines personnes, vraiment, ça peut indiquer le mariage, donc cet grand événement, engagement dans votre vie. Pour d'autres, ça peut montrer dans les relations amoureuses que vous avez cette situation stable, quand vous prenez la décision de s'installer ensemble, quand vous pouvez
vous créez un couple ou peut-être même une famille, c'est tout à fait possible, mais quand vous sentez bien, donc vous les deux, donc ensemble, donc vous avez ce bonheur, de bons sentiments, donc voilà la carte de stabilité. Et qu'est-ce que nous devons savoir? Vous savez également, je vois la carte de tradition, j'ai toujours un accent sur peut-être cet événement qui peut se produire dans votre vie, quand vraiment votre relation devient traditionnelle. Et vous savez aussi, vous pouvez avoir une certaine recherche un petit peu spirituelle quand vous posez des questions par rapport à votre futur. Mais je pense que vous trouvez les réponses et vous montez vraiment tout en haut, et peut-être même ça vous ouvre un petit peu des perspectives dans votre vie en général, peut-être même le chemin vers le bonheur, c'est tout à fait possible. Donc voilà, quand vraiment quelque chose d'important se passe dans votre vie, vous analysez tout, vous trouvez les réponses, peut-être votre bonheur. Donc voilà, et bien, et justement, j'ai un accent toujours sur quelqu'un qui était célibataire avant, et quand peut-être vous cherchez une personne donc importante dans votre vie, quand vous faites attention à tous les détails, et bien, et alors, je pense que la personne, elle arrive, j'ai un accent sur madame ici, mais vous savez, quelqu'un qui est très intelligente, vous savez, elle peut paraître un petit peu froide d'un premier regard, mais il faut tout simplement un peu patienter un petit peu, il faut trouver une certaine approche, quelqu'un qui est très intelligent, et vous savez, une personne qui aime analyser sa vie, il a plein de projets, la communication est très importante pour elle. Donc voilà, et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et alors, tout de suite, je vois, monsieur, vraiment, on voit ici un couple, et bien, qu'est-ce que vous devez savoir que dans la vie de monsieur, il y aura cette femme qui va jouer un rôle important, peut-être vraiment, elle va se projeter dans le futur, et monsieur, vous pouvez apporter le confort et la stabilité à madame. Vous savez, j'ai ici un accent sur monsieur. Que vous êtes quelqu'un qui aime la stabilité, le confort. Pour vous, la réalisation dans le travail est très importante également. Et je pense qu'ici, c'est un accent pour vous que vous pouvez créer la famille. Nous avons vu cette carte de tradition, le mariage qui vous attend. Et vraiment, je vois ici la personnalité de monsieur, quand pour vous, avoir la famille, les enfants, une femme stable auprès de vous à qui vous faites confiance, c'est primordial. Et peut-être vraiment ce qui va se passer dans votre vie. Regardez, j'ai vraiment la carte de futur. Quand vraiment vous quittez votre passé, vous apportez des changements dans votre vie et il y a cette évolution, vous êtes orienté vers le futur, mais un indice que tout ce qui est négatif, si vous avez des inquiétudes, vous devez absolument laisser cela dans le passé. Soyez positif dans le futur. Regardez, j'ai une très belle carte, déjà de bons résultats que vous avez. Donc si on regarde un petit peu donc votre vie en général, quand vous avez peut-être cette réussite, vous avez pris cet engagement, vous avancez dans votre vie, mais vous ne vous arrêtez pas à cela. Vous avez déjà un résultat, mais vous, vous pensez, mais qu'est-ce que je peux faire encore d'autre dans le futur? Quels sont mes projets? Je pense que le projet, ça va venir beaucoup de madame. C'est un petit peu sa personnalité. Quand elle vraiment, elle voit très large, elle est orientée vers le futur. Donc voilà, je pense que ici, on voit vraiment ce couple. Quand vous êtes orienté vers le futur, il y a des changements qui vont se passer dans votre vie. Et vous savez, j'ai un petit indice sur la tristesse. Vous savez, ça peut concerner votre passé, quand peut-être il y a eu certaines séparations, donc c'est possible. Vous savez, ça peut indiquer qu'éventuellement, si vous prenez la décision de déménager, j'ai une carte qui peut indiquer cela. Comme ça, vous quittez les personnes qui sont chères pour vous. Peut-être vous quittez un endroit que vous aimez bien. Et cela, ça vous donne la tristesse. Mais une autre carte, le magicien, ça me montre que vous pouvez surpasser cela. C'est vraiment dans votre caractère, dans vos moyens. Parce que magicien, c'est vraiment quelqu'un qui peut réaliser facilement ses penser ces projets en résultat. Et vous savez, c'est en général la carte qui nous montre, vous devez avoir confiance en vous, que tout est possible, vous pouvez tout réaliser. Donc voilà, mais vous savez, donc là, ici, je vois quand même donc cette guidance des cartes pour vous. Je pense que ici on voit le mariage, la création de la famille. Quand votre vie change, le déménagement est possible pour certaines personnes. Et vraiment, vous réalisez vos pensées. Et donc voilà, grâce à votre caractère, donc je pense qu'ensemble, madame et monsieur, vous pouvez réaliser vos projets. On va regarder troisième indice, troisième carte importante. Eh bien, j'ai un accent sur madame. Je vois ici quelqu'un
qui est amoureuse, tout simplement. Eh bien, je pense que les sentiments vont compter énormément pour vous. C'est une femme amoureuse. Donc là, ici, on voit quand même, vous êtes en train de méditer un petit peu. Vous savez, c'est aussi quelqu'un qui a l'intuition qui est très bien développée. Je pense que c'est un indice pour vous. Vous devez suivre votre intuition, rêver. Alors, c'est un petit peu dans votre personnalité. Et je dis toujours que tout commence par un rêve. Donc voilà, et dans la vie de monsieur, cette femme, elle va jouer un rôle important. Et alors, j'adore parce que tout de suite, on voit monsieur. Mais vraiment, on voit chaque fois, donc madame et monsieur, dans chaque guidance. Eh bien, monsieur, quelqu'un qui est très intelligent. Donc voilà, vous savez, ça peut être aussi un célibataire de longue date. Ou pour madame, ça peut vous indiquer que c'est un homme que vous connaissez déjà. C'est un homme du passé qui peut arriver dans votre vie. Et vous savez, alors, je pense que vraiment, cette madame, elle peut vous impressionner, monsieur, parce que je pense que vous n'avez pas l'habitude, vous avez l'habitude d'être seul, de prendre les décisions seul, vivre seul. Mais il y a quand même un coup de foudre qui vous attend, préparez-vous, parce que vraiment cette femme, elle peut être sensible, romantique, elle peut vous inspirer beaucoup, elle peut vous apporter surtout des sentiments et l'amour. Donc voilà, eh bien, le coup de foudre en plus rapidement, la carte de la passion. Donc préparez-vous que la rencontre sera rapide, donc il y aura beaucoup de communication, ça évolue. Donc voilà, et eh bien peut-être même ça explose parce qu'avec la carte de la passion, donc c'est tout à fait possible. Et vous savez, j'ai aussi un indice que ça va évoluer au même temps. Vous serez tous les deux très très motivés, actifs, enthousiastes. Vous pouvez également faire un voyage qui peut vous rapprocher, donc c'est tout à fait possible. Eh bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et vous savez, j'ai aussi un indice que vous allez avoir les projets assez rapidement. Donc voilà, je pense que on voit ici un petit peu cette rencontre. Eh bien, tout évolue rapidement et même peut-être, monsieur, vous allez griller des étapes. Vous pouvez faire les propositions assez rapidement à madame. J'ai un indice éventuellement que peut-être madame, elle peut venir de l'étranger. C'est tout à fait possible, mais aussi une très belle carte de résultats que vous pouvez avoir la prospérité. Et vous savez, je dois vous dire que si éventuellement vous êtes éloigné l'un de l'autre, donc là, je vois ici la carte d'avancement, de mouvement, quand vraiment monsieur, elle peut se présenter dans la vie de madame, tout va évoluer rapidement. Et je pense que vraiment, vous trouvez les solutions parce que là, ici, je vois déjà une très belle carte quand vous avez le résultat incroyable. Ça peut être le résultat dans votre vie en général ou dans votre relation parce que je pense que ici, on voit vraiment cette relation amoureuse que vous avez. Donc voilà. Et vous savez, c'est aussi une très belle carte de prospérité, quand peut-être vous pouvez créer votre relation, quand vous profitez de la vie, donc vous faites plaisir, et peut-être même la vie vous oriente vers la stabilité, c'est tout à fait possible. Et vous savez aussi, c'est une carte qui peut montrer la femme, qui peut avoir ce confort dans sa vie, avec cette relation, avec le monsieur, qui peut lui donner cela. Et vous savez aussi, tout simplement, la carte de détente, quand il faut prendre du temps pour vous, c'est un petit peu les guidances que vous avez et regardez aussi, madame, vous serez très actif et vous serez absolument contente. Je pense que là, ici, vous recevez ce que vous souhaitez, peut-être dans cette relation ou peut-être même dans la vie en général, vous pouvez vous montrer quelqu'un actif, leader. Donc voilà, vous savez, ça peut aussi, la carte de prospérité, ça peut montrer que vous avez le résultat dans votre travail et aussi des perspectives que vous pouvez avoir à l'étranger. Je vois ici l'énergie de madame qui est amoureuse. Et en même temps, vous êtes actif, vous serez plein d'enthousiasme. Donc vraiment, cette énergie de feu, une femme passionnée, alors j'adore. Et regardez la carte du soleil, elle vraiment, j'arrête. La meilleure carte dans le tarot, quand vous avez le succès, donc la réussite, le bonheur, la carte de famille, la carte des vacances, justement, ça me confirme que vous pouvez faire un voyage qui va vous donner plein de ressources. Quand vraiment ça peut vous reprocher et vraiment vous avez ce bonheur qui arrive dans votre vie, eh bien c'est magnifique, vraiment une très belle carte pour terminer ce tirage. Eh bien nous avons vu cette guidance, à savoir rapidement, je veux voir la carte de conseil, comment vous devez vous comporter. Et alors j'adore parce que c'est la carte de bonheur total. Vous voyez donc là ici on voit ce couple, quand peut-être vraiment vous avez ce bonheur, il y a une personne qui est importante pour vous dans votre vie, donc vous avez l'amour.
toujours des bons sentiments, tout est positif autour de vous. Vous, surtout que vous trouvez cette positivité donc autour de vous, et ça c'est très bien, la création de la famille, les enfants que vous pouvez avoir, mais aussi la carte parmi les meilleures dans le tarot, donc la carte de bonheur total. Et donc je pense que vous devez être orienté vers cela, rêver, penser à votre futur, faites vos projets, plans, vous pouvez tout réaliser. Eh bien, nous avons vu cette guidance, à savoir rapidement, je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie, bonheur, amour, passion, prenez le risque pour changer votre vie, parce que le destin vous appartient.